commission du doyen, du procureur de l'inspection générale. Très bien compris. L'article 16. Donc c'est le président et le rapporteur. Commission disciplinaire chargée de la conviction des. Oui, ça c'est interne à l'office du baccalauréat. Non, justement, ce n'est pas l'office du baccalauréat. C'est pour cela qu'il pose la question. L'article 16. À la fin, c'est sur l'autre page. Oui, le président le rapporteur. Comité scientifique national par arrêté du ministre de la Chambre sur proposition du doyen du coordonnateur de la direction. Au fond, c'est ça de la sous-proposition du directeur. Oui, oui. Alors, c'est le fait, c'est fait. Ça va être fait rapport à la du doyen. Je suis en rapport avec le ministre. Ah, rapport avec ça? Avec l'inspecteur général. C'est bon, ça va être en rapport avec le ministre. Ça va être. Au fait, curieusement, c'est le Sénégal qui avait proposé ça. Voilà. Sinon, vous l'avez dans nos discussions, c'est le directeur de l'office qui fait appel à l'inspecteur. C'est le directeur de l'office. Ouais, c'est une question de confidentialité. Vous proposez quoi? Non, moi, je ne propose rien. C'est nous qui avions proposé ça. Voilà. Donc, c'est nos experts. Ils vont venir défendre ça. La meilleure manière, la meilleure manière c'est que tout le monde fasse la même chose. Pédagogique. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, que ce soit dans la confection des sujets, tout ça là, on les met en avant. C'est eux qui sont les bras techniques. Mais sur le plan politique, je ne pense pas que ce soit l'inspection générale qui va prendre les décisions. Donc, ouais, je pense que si on doit faire une proposition, ce n'est pas l'inspection générale, mais on doit faire une proposition éclairée par l'inspection générale. Et donc, ça ne doit pas être l'inspection générale qui va proposer. C'est vous qui avez proposé ça. Parce que, justement, au Sénégal, les impôts ne dépendent pas directement de l'office du baccalauréat. C'est ça. C'est ce qu'on nous a dit, hein. En fait, non. Or, dans les autres domaines. Oui, même chez nous, c'est la même chose. C'est l'inspection qui est le bras. Voilà, le technique. Si le plan pédagogique, c'est eux qui font tout le travail. Oui, ils font tout le travail sous l'impulsion du directeur. Voilà, oui. Mais on ne peut pas mettre ça parce que ça fait partie du confidentiel. Oui. Du confidentiel, le directeur de l'office du baccalauréat endosse tout, mais il sait à qui confier des tâches spécifiques. Oui. Alors si on met les inspections, l'inspection générale, il faut aller toucher l'inspection générale pour savoir quel sujet il est, etc. Et il y a eu cette dérive-là déjà dans le passé. C'est pour protéger aussi l'inspection. Je ne sais pas, hein, professeur Diamant. Non, non. Il y a une proposition concrète, il n'y a pas de problème. Nous, on n'aura pas de problème. Mais Yo dit que nous, on a considéré ça. Nous, on a dit après un arrêté pour ça, hein, puisqu'on nous a dit que dès que c'est fait ici, on peut quand même commencer à travailler en prenant. Nous, on a un arrêté qui dit ça. C'est en relation avec l'institut. Mais les arrêtés, ça se change. Hein. Ça se change. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous mettez par arrêté du ministre sur proposition du doyen de l'inspection ou coordinateur et du directeur de l'office du bac. Les deux en consultation. Ça ne pose aucun problème. Oui. Si c'est les deux, c'est les deux. Parce que moi, je sais que dans notre cas, c'est toujours comme ça qu'on fait. C'est moi et le doyen de l'inspecteur de notre, c'est vous qui nous conseillez. Vous êtes à peu près le porte-parole, quoi. Non. Vraiment pour respecter la structuration. Hein? C'est toujours, on se concentre toujours pour tout ça. On a dit des choses ici, excusez-moi, président. Oui. On veut que ce soit deux personnes qui se concertent pour choisir. On a dit des choses ici qui se ressemblent, c'est-à-dire sur avis de. Sur proposition de tel. Par rapport à la vie de tel, on peut faire ça comme ça aussi. Sur proposition de. Après avis de. Voilà. On transmet votre. Au fond,
c'est ce qui se fait en filigrane. En filigrane. On ne dit pas parce que ça fait partie du confidentiel. Exactement. Et le directeur de l'office du baccalauréat, enfin, ce qui nous concerne, endosse tout. Il arrive quelque chose, c'est le directeur de l'office du baccalauréat. C'est toujours. Il endosse cette responsabilité. Oh, il a tout fait, hein. En liaison avec l'inspecteur, etc. Mais quand il y a problème, l'inspecteur dit, ah, c'est le directeur. Non, non, il ne se débile pas. En tout cas, chez moi, il ne se débile pas. Ils acceptent. Voilà.